África nazi y el chubulizo. Si pensi yo tata. Ok. Amen. Amen. Somebody jubilating and you are looking at the person, that means you don't want to testify. Can I see your jubilation? GB. Amen. Amen. If you are carrying good news already, if you know you have a testimony already, can I see your jubilation again? Every sadness in your family go away in Jesus' name. Every sadness in your finances go away in Jesus' name. Every sadness in your health go away in Jesus' name. That thing that is making you not to be happy, God has taken it away from you. But thou says the Lord, and si par le Seigneur, if my people can gather like this, si mon peuple se rassembler ainsi, and praise me, et me louer, and worship me, et m'adorer, I will bless them. Je vais les bénir. If you know that you are among the blessed people today, can I see your jubilation? Say thank you, Lord, again. Dis une fois de plus, merci, Seigneur. Say thank you, Lord Jesus Christ. Merci, Jesus Christ. I want you to go around and greet some people. Say you are welcome, you are welcome, you are welcome. Salut, cette personne dit, tu es la bienvenue. You are welcome. Tu es la bienvenue. You're welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. I can see. Oh,
Savez-vous comment vous saluez le ciel? Heaven has a language. Le ciel a un langage. And the language of heaven is music. Et le langage du ciel c'est la musique. Do you know how you greet in heaven is praise, praise and worship? Tout le ciel c'est fait de louanges et d'adoration. Are you ready to greet heaven? Everybody salue le ciel. Are you ready? Everybody. If you are ready, can I see your jubilation? Si vous voulez, s'il vous plaît. If you are ready, can I see your jubilation? Si vous voulez, s'il vous plaît. Je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu. Papa Yamaran, de qui tu tends de l'or. Ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu. Lift up your hand. Soulevez vos mains. Say, Lord. Yes, Seigneur. I will praise you all my heart. Je vais te louer avec tout mon cœur. Begin to confess it, confess it. I will praise you, Lord. Confesse cela. Dis, Seigneur, je vais te louer. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci Yahweh. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci Papa. Oh mon Dieu, je te dis merci. Pour tout ce que. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour la santé, je te dis merci. Merci Yahweh. Pour la promotion, je te dis merci. Merci Papa. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je te dis merci. Merci Papa. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci Yahweh. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que, tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je te dis merci. Merci Yahweh. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci Daddy. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que, tu as fait pour moi. Louez, louez, louez. Jésus est pire.
Tu n'as pas d'autorité, maladie. Irène, tu n'as pas d'autorité. Et avec Irène, tu n'as pas d'autorité. Irène, tu n'as pas d'autorité. J'ai dit autorité. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Amen. Autorité. If you are happy, can I hear louder amen again? Dieu amène à haute voix si tu es content. The environment of God is a joyful one. L'environnement de Dieu est plein de joie. That is why Satan struggles to always steal happiness from a man. Voilà pourquoi Satan s'efforce à voler la joie de l'homme. This is a secret for somebody today. Voici le secret pour quelqu'un aujourd'hui. If you can always ignore the activity of Satan, si you will toujours, never find yourself in sadness. Si tu peux toujours ignorer les activités de Satan, tu ne vas jamais te retrouver dans la tristesse. Satan touch your health, touch your finances, touch your children, touch this so that you should be sad. Satan touche ta santé, tes finances, ceci et cela, afin que tu sois triste. But if it means nothing to you, mais si cela t'importe peu, can sadness come to you? Est-ce que la tristesse peut venir à toi? If what Satan is doing is entertaining you, si ce que Satan fait te distrait seulement. Oh, then he will come more and more and more. Ça veut dire il viendra davantage. He will do it more and more. Il le fera davantage. Because he is entertaining and distracting you. Parce que il te dans la direction des distrait. If you see something he has done. Si tu vois ce qu'il a fait. Say, hey, tu dis hey, I don't have time for that. J'ai pas du temps pour cela. I want to praise my God. Je veux louer mon Dieu. Clap for Lord Jesus Christ. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Let us take a Bible. Ouvrons nos Bibles. Let's open a Bible. Are we there? Ouvrons nos Bibles. Book of John. Le livre de Jean. John chapter 8. Jean le chapitre 8. John chapter 8 verse 12. Book of John chapter 8 verse 12. Jean chapitre 8 verset 12. Are we there? Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Amen. Amen. Jean, le chapitre 8, verset 12, il est écrit,
Jésus les parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. If you have heard the word of God being read, can I see your hand up, people? Si vous avez suivi la parole de Dieu qui a été lue, levez la main. Who has come? Qui est venu? Who came? Qui vient? Are we talking together? Est-ce qu'on communique? Who came? Qui est venu? As what? En tant que quoi? And the light leads to what? Et la lumière conduit à quoi? It is three. C'est trois. Jesus came as light. Il est venu en tant que la lumière. Lead to life. Threefold. Trois choses. Can we talk together? Est-ce qu'on peut communiquer? Our Lord Jesus Christ is the one that came. Notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui est venu. What is the capacity in which he came? As what? Il est venu dans quelle capacité? As light. Be very specific. En tant que lumière. Soyez spécifique. Some other people have come in darkness. So people have come in many forms. Plusieurs sont venus dans plusieurs formes. But Jesus Christ came as what? Mais Jésus-Christ est venu en tant que quoi? As light. En tant que la lumière. What is the purpose of the light that came? Quel est l'objectif de la lumière qui est venue? To do what? Pour faire quoi? To give life. Pour donner la so vie. So any human being. Dans tout être humain. Any country, tout pays, any area, tout secteur, that does not have Jesus Christ, qui n'a pas Jésus Christ, there is no life in that place. Il n'y a pas de vie dans ce lieu. Any community that is not recognizing Jesus Christ, toute communauté qui ne reconnaît pas Jésus Christ, and serving him in fullness, et qui le sert dans la plénitude, that place cannot experience life. Cet endroit ne peut pas expérimenter la lumière. No matter the amount of money that is there. Qu'importe le montant d'argent qui s'y trouve. No matter the buildings. Qu'importe les bâtiments. No matter the cars. Qu'importe les voitures. No matter every kind of activity. Qu'importe le genre d'activité qui no se passe. No matter the education that is there. Qu'importe l'éducation qui s'y trouve. They will never experience life. Ça n'expérimentera jamais la vie. The one that came with the package of life. Celui qui est venu avec le paquet de la vie. Is that Jesus Christ. C'est ce Jésus Christ. He came with a package of life. Il est venu avec le paquet de la vie. So if you are not with him, can you have life? Donc si tu n'es pas avec lui, peux-tu avoir la vie? So any area, dans tout secteur, that is not fully recognizing Jesus Christ, qui ne reconnaît pas pleinement Jésus-Christ, I am repeating, that place cannot experience life. Je répète, ce lieu, ce secteur ne peut pas expérimenter la vie. If any area cannot get up and say, Jesus will give you glory. There can never be life in that place. Si n'importe quel certain peut se lever et dit Jésus, nous te donnons la gloire, ça ne pourra jamais expérimenter la vie. So is Cameroon having life? Donc, est-ce que le Cameroun a la vie? Listen. Écoutez. Is Cameroon having life then? Le Cameroun a-t-il la vie? Satan can give money. Satan peut donner l'argent. Satan can give position. Satan peut donner la position. Satan can give world. Satan peut donner le monde. Satan can give anything. Il peut donner la richesse et toutes choses. Don't be confused about that. Mais ne soyez pas confus concernant cela. Don't be confused. Ne soyez pas confus. But those things that Satan gives, mais ces choses que Satan donne, is to help and destroy. C'est pour vous aider à détruire. Satan came to destroy life. Satan est venu détruire la vie. Jesus came to give life. Jésus-Christ est venu donner la vie. Because, parce que, I am very bitter on this. Je suis très you amer. You cannot know what is going on, people of God. Vous ne pouvez pas connaître ce qui se passe. Until you are explained, jusqu'à ce que you cannot know what is going on. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. There are people working in offices in Cameroon. Il y a des personnes qui travaillent dans les bureaux au Cameroun. You are given a big salary. Vous avez un gros salaire. But you are a slave. Mais vous êtes esclave. You don't have life because that place is not governed by Jesus Christ. Vous n'avez pas la vie parce que ce lieu n'est pas gouverné par Jésus Christ. You have a salary of 1. Something million. Vous avez un salaire de plus d'un million. But at the moment, mais à la fin du mois, you are struggling to pay debts and you cannot even pay them. Vous efforcez à payer les dettes et vous ne recevez même pas. Is that life? Est-ce que c'est la vie? Are you saying? Voyez-vous donc. Jesus Christ said, I give you peace not like the way the world gives. Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix pas comme celle qui vient du monde. My country Cameroon. Mon pays le Cameroun. You must recognize Jesus Christ. Tu dois reconnaître Jésus-Christ. I want that in offices. Je veux que dans les bureaux. In administration. Dans l'administration. Everywhere. Partout. People should go in the morning you come. You hold morning prayer every administrator. Alors que call your staff, hold morning prayer. You give glory to God before you start services. Le matin lorsque tu viens, tiens une prière avec ton staff et tu donnes la gloire à Dieu avant de commencer à travailler. If everybody is handling this country, handling offices,
to Jesus Christ in the morning. I am telling you, Cameroon must move forward. Si tu ne veux pas remettre ce pays le bureau à Jésus-Christ le matin, le Cameroun, je vous dis, avancera. Listen. Écoutez. Who came to give life? Qui est venu donner la vie? If a ministry is always worshiping Jesus Christ in Cameroon, si un ministère adore toujours Jésus-Christ au Cameroun, that ministry is bound to work well. Ce ministère est voué à prospérer bien. That place is bound to have life. Ce lieu est voué à avoir la vie. Because they are worshiping the one that came to give life. Parce qu'ils adorent celui qui est venu donner la vie. You want to go to a hospital? Vous voulez aller à l'hôpital? Oh, they get up. All the nurses give glory to God. Et ils se lèvent tous les médecins donnent gloire à Dieu. All the souls coming here today. Tous les we are not the healer. Nous sommes pas we are not the one that treat. Nous sommes pas ceux qui traitent. You are the one, Jesus Christ. Toi, c'est Jésus Christ. Let everything we do here, Lord, help your souls. Seigneur, tout ce que nous faisons ici est tes âmes. But I want to inform you. Mais j'aimerais vous informer. Almost all the public hospitals are occultic places now. Presque tous les hôpitaux publics sont occultes. Occultic places now. Sont des lieux occultiques. Doctors are taking blood. Les docteurs prennent du sang. They want to do tests. Ils veulent faire le they test. They take it to their demonic kingdoms in the night. Et ils prennent ça dans les royaumes démoniaques la nuit. I want to tell you the secret. Je vous dis le secret. Okay. Faut être très careful. Donc faites très attention. We have seen cases. Nous avons vu des cas. Where they have sent people. Mostly is them. Public hospitals are the ones that mostly have all the machines and do operations. Alors les hôpitaux publics sont les hôpitaux are always borrowing from administrative hospitals. Alors ils prêtent sur des hôpitaux. Who all the private hospitals always borrow big doctors from where? Tous les hôpitaux privés. From where? Okay. We have a video where a doctor in the public hospital was bent to operate the woman. Alors nous avons une vidéo là où un docteur dans un hôpital public était forcé à opérer une femme. And was a director of that hospital. Et il était le directeur de cet hôpital. A district hospital. Un hôpital de district. When God has said the woman will deliver without operation. Alors que Dieu a dit cette femme va accoucher sans opération. But you are bent to operate the woman. Mais il était voué à opérer cette femme. Who came in and seized that woman from operation room. Alors on est venu à cette femme dans la salle d'opération. It was even one of our sons. C'était même un de nos fils. Came into the ward. Il est venu là-bas. Where they want to operate on the operation bed. Alors sur la table d'opération. They jammed the door intact. Il a frappé la porte d'entrée. And he told me jammed the door intact. Il a frappé la porte d'entrée. They were already wearing those things to operate the woman. Alors ils avaient apporté la boutons pour opérer cette femme. Take out that woman. Alors il a pris cette femme hors. Taken from the hand. Il a pris la will die. Alors que toutes les femmes qu'on opère là-bas, 90% mourront. 90 will die. 90% mourront. And they took out the woman from there. Et il a ôté cette femme hors de cet hôpital. And finally, the woman delivered without oppression. Et finalement, cette femme a accouché sans opération. Oh, if you watch the video, well, there are a lot of videos. Alors, il y a plusieurs vidéos comme ça. Si vous visionnez cette vidéo, c'est mieux. I said it was a high collision. J'ai dit, c'était une grande high confrontation. High collision! C'était une grande confrontation. They were driving the son outside. I said, who have asked you to enter operation room? It's not authorized. Leave that in. I'm the girl's pastor. Alors, I'm the woman's pastor. Je suis le pasteur. I want the woman. Je veux cette don't operate her! Ne l'opérez pas. It never happened in Cameroon. Let me tell you. Ça s'est jamais produit au Cameroun. Don't even enter the operation room. It's so strictly stopped. Alors you même pour entrer dans une salle d'opération, c'est vraiment strict. It's prohibited. C'est interdit. When the doctor came in, who of us? I am the pastor. Je suis le pasteur de cette femme. God say he will deliver without operation. Dieu dit qu'il va accoucher sans opération. Sortez-moi cette femme. You look when you have the vividness and the aliveness of God around you. Hey, you lorsque know vous avez God. La de you Dieu stand for your God. You don't bother. Vous venez pour votre Dieu. Vous vous tenez pour lui. Vous vous inquiétez pas. And what happened? Et qu'est-ce qui s'est passé? They say no. Ils ont dit non. Young man, go out of this office. Jeune homme, sors de ce bureau. Like father, like son, he said no. Tel père, tel fils, là dit non. Il a dit non. Amen. First, premièrement, you people should show me the authorization document to operate this woman now. Montrez-moi d'abord le document. Before you advance, let me see the authorization to operate her now. Que je vois l'autorisation qui permet qu'on opère maintenant. That one now was a legal implicating statement, and they had no document. Alors ça c'était une parole hands légale. Down. Et ils n'avaient aucune.
Nobody signed for operation. Personne n'a signé pour une opération. I want the operation die. Nobody is accountable for. Et si on le paie, mais personne ne va rendre compte. But they are profiting because the soul has gone to their kingdom. Mais ils profitent parce que l'âme là ira dans leur royaume. Cameroun must be clean. Le Cameroun doit être nettoyé. They turn to mosquitoes. You go to a hospital, mosquito all over, which they are there to suck blood. Soaking blood and taking it to their kingdom. Ils amènent ça dans leur royaume. A woman who wants to deliver, they will bleed, bleed, bleed and die. Elle va saigner, saigner jusqu'à mourir. They are soaking the blood resurrections. Et qui suce ça sont les résurrections. Tout environnement that does not worship Jesus Christ, il n'adore pas Jésus that Christ. That place cannot have life. Ce lieu ne peut pas avoir la vie. Am I the one saying it? Why should I be blamed for saying what is right? Pourquoi est-ce qu'on me blâme de dire ce qui est correct? And most of these people say they are Christians. If you are a Christian, let us go to what God has said. Et puis pour let us go to the Bible. Allons and follow what God has said. Et regardons ce que Dieu a dit. Let's go there. Allons-y. Jesus said, Jésus Christ a dit, I landed on earth. J'ai atterri sur terre. It is right here. If you take a plane, don't imagine the word of God. N'imaginez pas la parole de Dieu. Si vous prenez un avion, take a flight here. Si vous prenez un vol ici, Simalen ou Douala, you will land in Israel. Vous allez atterrir en Israël. It's the country here in Middle East. C'est un pays ici. Jesus never landed there. Il a quitté le ciel, atterri là-bas. I have come. Je suis venu. As light of the whole world. En tant que la lumière du monde. Cameroon is part of the world. Alors le Cameroun est partie du monde. Look at your map. Cameroon is part of the world. Regardez votre carte. But le Cameroun is part of the globe. Le Cameroun est partie du globe. I have come as light. I have come as light of Cameroon and other countries. Je suis venu en tant que la lumière du Cameroun et d'autres pays. And I have information for you, junior workers in Cameroon. Et j'ai une information pour vous. Junior workers. Pour les travailleurs juniors au Cameroun. If your big man is drinking blood, si ton patron boit and le sang, you are under him, et tu es sous lui, you must be a slave. Tu seras esclave. You must be a slave. Tu dois être un esclave. As they give you small salary, they will suck it back. Alors comme il te donne un petit salaire, ils reprennent ça par derrière. You take salary, they will suck it back. Il te donne un salaire, ils reprennent ça par derrière. Afflicting you with diseases. Il t'afflicte avec les maladies. Afflicting you left and right. Et gauche et droite, il t'afflicte. Why? Pourquoi? Because of their spiritual instruction in their altar. À cause de l'instruction spirituelle dans les hôtels. Are you seeing the need for Cameroon to be clean? Voyez-vous le besoin que le Cameroun soit nettoyé? There are offices in Cameroon. Il y a les bureaux au Cameroun. They will not want to hear prayer. Ils ne veulent pas entendre parler la prière. You put prayer in the agenda of a meeting. Alors si tu mets la prière dans l'agenda de la réunion. Maybe a security meeting. Alors c'est une réunion. Start by prayer. Quand si on commence they will deny prayer. Ils vont refuser la prière. When do they start praying here? Ils vont dire quand est-ce qu'on a commencé à prier? On a commencé à prier ici depuis quand? When do we start praying here? When have they started praying? Quand est-ce qu'ils ont commencé à prier? And I want to make it clear. Et j'aimerais dire cela clairement. Any area that does not want prayer. Tout secteur qui ne veut pas la prière. They are incantating Satan there. Ça veut dire qu'ils incantent Satan là-bas. But I want to still say this again. Mais j'aimerais répéter when ceci. When I send my eye in the public. Lorsque je vois envoie mes yeux dans le public. Those of you seated. La plupart d'entre vous qui est assis. There are still people that come to spy and hear. Il y a plusieurs qui sont venus espionner et entendre. I have said it. Je l'ai I dit. Need you in front here. J'ai besoin de vous ici devant. Come to the front seat. Venez ici devant. So that you will hear well. If you are not hearing inside the well, hear here. If it was something that we should hide, it is in the back door. Si on devait cacher ça, on devait rester derrière we'll la porte. We will go and lock a door there and hide. On devait se fermer dans derrière une porte. What caché. I'm saying is my life. Mais ce que je dis, c'est and ma I vie. And I stand for it with everything. Et je me stand with me. Nobody can be against me. Et juste que tu aies deux personnes sera contre moi. Every environment tout environnement that does not have Jesus Christ qui n'aime pas Jésus Christ can never experience life. Ne peut pas expérimenter la vie. Satan have three characteristics, my people. Satan a trois caractéristiques, mon peuple. Satan have three characteristics. Satan a trois caractéristiques. Satan came to do what? Satan est venu pour faire quoi? Book of John chapter 10 verse 10. Jean chapitre 10 verset 10. Satan came in order to steal. Satan est venu pour voler. Kill and destroy. Et danger et détruire.
Though if a place has denied God, dans si un endroit a refusé Dieu. If a place has denied God, si un endroit a refusé Dieu. Hey, if a place has denied God, si un secteur a refusé Dieu. Do you know what is going on? Alors savez-vous ce qui se passe? Killing, stealing, and destruction must go on there. Le vol, la tuerie, la destruction doit se passer là-bas. On the street, dans les rues, they will make their altars. Ils vont créer les hôtels. In offices, they will make their altars. Dans leurs bureaux, ils vont former les hôtels. They will make their altars. Partout, ils vont former les hôtels. And that is why in some offices in Cameroon, voilà pourquoi certains bureaux dans le Cameroun, you cannot go in there and make a document and come out without serving Satan. Alors vous pouvez pas aller là-bas faire un document sortir sans servir Satan. Yes. Oui. They must squeeze things in a way you will fraud. Alors ils vont tordre les choses. And when you fraud, that document you want to acquire is already under accusation. Et lorsque vous fraudez cette document, and when you go and use that document, you will never succeed. Ce document est déjà sous accusation et vous n'allez jamais réussir avec ce document. Jamais. You have fallen a contract in Cameroon. Vous suivez un contrat au Cameroun. They will make it in such a way that you must fake. Ils vont faire de façon que tu vas falsifier. Faking means that you will not work with God. Ça veut dire tu falsifies, ça veut dire tu vas pas marcher avec and Dieu. And when you fake and you bribe and have that contract. Lorsque tu falsifies, tu corromps et tu as ce contrat. A contract of 200 million. Un contrat de 200 millions. Don't bother. Ne t'inquiète pas. They will give you the contract. Ils vont te donner ce contrat. But let me tell you. Mais que je te dise. You only run with your head because that contract you will execute, you will lose all the money. Tu vas exécuter ce contrat. Every you have debts all over. Tu auras les dettes partout, tu perdras tout. And that's why you have uncompleted contracts in Cameroon all over. Voilà pourquoi partout au Cameroun vous avez des contrats incomplets. Road contracts, they will mix all kind of things and do the road there. Alors ils prennent les contrats, ils mélangent les choses. Because when the contractor start facing that problem, lorsque le contracteur fait face à ce problème, and there is no more money, et il n'y a plus d'argent, he is wanting every means to finish the matter anyhow. Alors il finit la paix avec n'importe quel moyen. Yes. N'importe comment. The contract was already accused. Alors ce contrat a déjà été accusé. When he's accused, Satan sends his agent. Lorsque c'est accusé, Satan envoie ses agents. Go there. Va là-bas. That man taking the contract has served me. Cet homme qui prend ce contrat m'a servi. That man taking the contract has served me. Cet homme qui prend ce contrat m'a servi. That man taking the contract has worshipped me. Cet homme qui prend ce contrat m'a adoré. Go. Allez-y. Follow. Suivez. Follow him is our slave. Suivez-le, c'est notre esclave. His God is not more with him. Alors son Dieu n'est plus avec lui. Follow him. Suivez-le. His slave. C'est un esclave. Voyez-vous maintenant. The offices you cannot enter there without fornicating with the big people. Alors il y a les bureaux vous pouvez pas entrer là-bas sans forniquer avec le patron. The big man say you must fornicate. Le patron dit tu dois forniquer. Open talk. That, are they asking you? Est-ce qu'il te demande ça ouvertement? Tu connais l'hôtel là? Hein? You know that hotel, hein? Le soir viens me trouver là-bas. Il est venu comme meet me there. Tu veux le travail non? You want work now? Trouve-moi là-bas. Meet me there. Cameroon must be clean. Le Cameroun doit être nettoyé. Jesus Christ, our Lord, notre Seigneur Jésus Christ, has sent me. M'a envoyé. I am not talking by my own. Je ne parle pas de moi-même. He has sent me to take Cameroon. Il m'a envoyé de dire au Cameroun. It is time for light in the nation of Cameroon. And the light. Et la lumière. It is a must. Ça doit être une obligation. Listen. Écoutez. Light does not negotiate before it comes. La lumière ne négocie pas avant de venir. Light does not negotiate with anything before it comes. La lumière ne négocie pas avec quelque chose avant de venir. Go to your room when it's dark. Allez dans votre chambre lorsqu'il fait sombre. As you switch on the light. Quand vous allumez cette lumière. Instantanément. That is the strength of the light coming upon Cameroon. Ça c'est la force de la lumière qui descend sur le Cameroun. And as this light is coming. Et comme cette lumière vient. Any darkness on the way. Tout ténèbres en chemin. I say you exist. Non, non. Tu n'as plus existé. You know what I'm telling you. Je sais de quoi je vous parle. As this light is facing Cameroon. Comme cette lumière fait face au Cameroun. As this light is sweeping the land of Cameroon. Comme cette lumière nettoie le pays du Cameroun. I say darkness. Je dis ténèbres. I say you exist no more in Cameroon. Tu n'as plus jamais existé au Cameroun. The worshippers of darkness. Les adorateurs des ténèbres. I advise. Je vous conseille. Leave darkness or you will go with darkness. Alors quittez les ténèbres ou vous en irez avec ces ténèbres. Leave darkness. Quittez ces ténèbres. Laissez les ténèbres. My dear brothers and sisters. Mes chers frères et sœurs. Who are worshipping Satan in Cameroon. Qui adorent Satan au Cameroun. It is time for you to stop that worship. Cessez cette adoration. Il est temps. If you hold there, si vous accrochez à cela. That means you love darkness with everything. Ça veut dire que vous aimez les ténèbres avec toutes choses.
But I've not come against you. Mais je suis pas venu contre I vous. Am coming against powers and principalities. Je viens contre les puissances et les principautés. But if you hold spirit too much, mais si vous accrochez trop à un esprit, you will go to spirit. Vous irez dans l'esprit. Leave spirit to go to the world of the spirit. Laissez l'esprit aller dans le monde d'esprit. And let you live in the world of the living. Et que vous menez votre vie dans le monde des vivants. I say, if spirit is going because of the spirit of Satan respect light so much. Eh? L'esprit de Satan respecte tellement la lumière. For that one, they cannot joke. Il ne peut pas s'amuser avec cela. I say, they cannot joke. Je dis, il ne peut pas s'amuser avec cela. They respect light. Il respecte la lumière. Because light is God. Parce que la lumière God Dieu. Does not negotiate. Dieu ne négocie pas. So when light begins to come, non, lorsque la lumière commence à venir, the next thing is demons will bow and start going. La prochaine chose c'est que les démons vont se prosterner et commencer à partir. If you human being, si vous êtes humain, worshiping that thing, qui adore cette chose, you walk on it, vous vous accrochez à cela, you are finished. Vous êtes fini. It will carry you go. Ça vous transportera et partira avec vous. For all of us, our information. Pour notre information, nous tous. Jesus Christ has come. Jésus Christ est venu. He came here. Il est venu ici. Là où nous sommes. Il est venu ici. He is in Cameroon. Il est au Cameroun. Jesus is in Cameroon. Jésus est Cameroun. Oh, there is good news. This is far more than that. Jesus is in Cameroon. As he has come, et comme il est venu, he come his light. Il est venu avec la lumière. And this light, et cette lumière, is unquenchable. Et ne peut être arrêtée. Are you seeing how this light is touching the place? Voyez-vous comment cette lumière est shining? Are you seeing how it's shining? Voyez-vous comment ça brille? Turn the light, turn. Donc tourne cette lumière. Are you hearing? Est-ce que vous voyez? Carry the information to those people. Transportez l'information à ces gens. This light is showing offices. Cette lumière brille dans les bureaux. All over and exposing. Partout et ça expose. Exposing and exposing. Ça expose et ça expose. I want you to go. J'aimerais que vous partez vous. Leave darkness. Laissez les ténèbres. God expose you. Comme Dieu vous expose. Leave darkness to go. Laissez que les ténèbres s'en aillent. And you turn to light. Et tournez-vous à la lumière. Because my God will face darkness in this nation without mercy. Parce que mon Dieu va faire without mercy. Sans because the sin of Cameroon is offending God. Parce que le péché du Cameroun offense Dieu. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. If you go to the junctions in Cameroon, si vous allez dans les carrefours au Cameroun, Cameroon has invested billions. Le Cameroun a investi des milliards. Billions on occultic statues in different carrefours. Le Cameroun a investi des milliards sur des statues occultes. The sin of Cameroon is too much. Le péché du Cameroun est assez. The sin of Cameroon. Le péché du Cameroun. Faites très attention. A man sleeping with another man. Un homme qui couche avec notre homme. Cameroon. Le Cameroun. It's time for you to repent. C'est le temps que vous repentez. As I'm talking, pendant que je parle, every power of homosexuality in Cameroon, toute puissance d'homosexualité au Cameroun, as from this moment, à partir de ce moment, I say you, there are people here in Cameroon that has refused to repent. Il y a des personnes au Cameroun qui ont refusé de se repentir. Are you hearing? Est-ce que vous entendez? I spoke about this flag yesterday. J'ai parlé de ce drapeau ici. I am still coming to talk about the flag. Et je reviens parler de ce drapeau. Every eye look here. Tout le monde regardez ici. This is the flag of Cameroon. Voici le drapeau du Cameroun. Floating. Qui flotte. But I saw this flag down. Mais j'ai vu ce drapeau à terre. I saw this flag down. J'ai vu ce drapeau rabaissé. It's already down in the spirit. Dans l'esprit, c'est déjà rabaissé. Because certain things have been stopped. Parce que plusieurs choses ont été stoppées. Things from the road to peace.
Depuis la route pour la paix, le chemin pour la paix. National Program for Peace Part 1. Et le programme national pour la paix partie 1. National Program for Peace Part 2 again. Et la deuxième partie du programme national pour la paix. A lot of things have been stopped. Plusieurs choses ont été stoppées. In the spirit. Dans l'esprit. A demon confesse here. Un démon a confessé ici. On est en train de couvrir seulement parce que on ne veut pas que vous compreniez que ça parle trop. Quand on comprend ce qui est arrivé, c'est déjà grave. It's already worse. We are trying to cover. We don't want you to understand what is happening. But the flag is down. Mais le drapeau est rabaissé. It's just remaining to be announced in the physical. Alors, il faut seulement que ce soit annoncé dans le physique. But Cameroon. Mais le Cameroun. The issue here is this. Le problème ici c'est ceci. Who is going to put up this flag back? Qui va soulever ce drapeau? That's where the problem of Cameroon is there now. Voilà là où il y a le problème du Cameroun maintenant. Who will put up the flag back? Qui va soulever ce drapeau? That's where Cameroon is having a problem. C'est là où le Cameroun a un problème. We will pray. We'll continue praying. Mais nous allons continuer à prier. I am telling you what God is showing me. Je vous dis ce que Dieu me montre. These are the seasons of what I'm telling you. Ah, we are in February. Nous sommes en février. I say from March upward. Et from à partir de mars upward. À partir de mars, il commence demain. Cameroon. Cameroon. Man and woman. Homme et femme. Prayer from March upward. À partir de mars, commencez à prier. Prayer. Prière. I want to testify. J'aimerais témoigner. If you listen to your radios yesterday and this morning. Si vous avez écouté vos radios, suivi vos radios depuis hier jusqu'à ce matin. As we're sending the fire here. Pendant que nous envoyons le feu ici. Deliverance began yesterday. La délivrance a commencé hier. There were already more than 500 and something people liberated again in the night yesterday. Il y avait plus de 500 personnes qui ont été libérées dans la nuit hier. Yes, yeah. Oui, ici. When we turn, I was sending the fire yesterday like that. Lorsqu'on envoyait le feu comme ça dans cette direction. News. Les nouvelles. This morning. Ce matin. 500 and something people liberated. 500 personnes ont été libérées. In the north. Dans le nord. We only knew of the 900. On a seulement connu les 900. These 500 now, where they be there? Alors, les 506 étaient où? We only know about that one after they are liberated. On connaîtra cela après qu'ils soient libérés. Cameroon. Cameroon. It's well. Tout va bien. Call a military man. Appelez un militaire. He will tell you what is going on in the north. Il vous dira ce qui se passe au nord. You are sitting here and breathing. Vous êtes assis ici, vous respirez. You need to pray for that place. Priez pour le nord. Pray. Priez pour le nord. That is the second liberation that has taken place. Voilà deuxième libération qui a eu lieu. You heard the testimony of the 900 here when we were holding the other program. Vous avez suivi le témoignage des 900 lorsqu'on tenait notre programme. This is another one yesterday. Voici un autre qui a eu lieu hier. Listen to radio. Il dit écoutez vos radios. Watch TV. Visionnez vos télévisions. As this program again is taking place. Quand ce programme a encore lieu. There will be good things. Il y aura des bonnes choses. There will be the other one. Et il y aura l'autre côté. Amen. Amen. Before we continue, avant que nous continuions, tomorrow, demain, c'est un nice day. C'est un jour meilleur. The day that we will show our God. C'est un jour où on va montrer notre Dieu. Everybody, tout le monde, can I have a t-shirt? Puis-je avoir un t-shirt? Everybody seated here. Tout le monde assis ici. We will go around tomorrow. On fera le tour demain. Around the cities here a bit. Ici dans la cité, dans la ville. With the fanfare. Avec la fanfare. With our t-shirt. Avec nos t-shirts. Giving glory to God for the National Program for Peace. On va donner la gloire à Dieu pour le programme national pour la paix. So anybody that has not gotten your t-shirt. Donc quiconque n'a pas encore eu son t-shirt. It will be very good for everybody to have your t-shirt. Il est bien que tout le monde ait son t-shirt. Ah. If you miss the event, you will be so you regret it. Alors si vous ratez cet événement, vous allez regretter cela. In a short while, they will read the Shema. Bientôt, on va vous lire le Shema. Let us cause some awareness in the land. On va causer un peu de l'éveil dans la church. Cité. L'église. You will leave the back bench to the front page. Alors, tu vas quitter derrière la scène. There is no more way church will hide in Cameroon again. Alors, we are praying for Cameroon. Nous prions pour le Cameroun. And we are working and praying for Cameroon. Et nous marchons, nous prions pour le Cameroun. Is it about it? Est-ce une mauvaise chose? Ah. It's a good thing, non? C'est une bonne chose, non? National, are you not hearing the title? Je vais pouvoir le titre.
Any administrator, military man or police, when he see it, he need to go down on his knee and bow three times. Administrateur, police, quiconque, lorsque tu vois ça, tu dois te prosterner. He should do what? Tu dois faire quoi? Pray more, we should pray more because we are praying that administration should work well. Nous prions que l'administration marche, travaille bien. That the county should be clean. Que le pays soit nettoyé. And everybody should work well. Et que tout le monde travaille bien. I want you to know well. J'aimerais que vous sachiez bien. The light has come here. Que la lumière est venue ici. A demon confessed that. Un démon confessait que. C'est grave. It's terrible. La manière que Cameroun est maintenant. The way that Cameroun is now. Pour même prendre un âme, c'est grave. To take even a soul is terrible. Partout c'est le feu. Everywhere is fire. Pour même prendre le grave. To take even is terrible. Of the past. Dans le passé. When those accidents of the highway everywhere were taking place. Lorsque ces accidents dans les chemins avaient lieu. Who took the cars? Prayed on Douala on the road. On a prié, on a prié sur la route Douala. And then we are praying a prayer around the country. Et on a fait une prière dans le pays partout. And you are no more hearing too much loss of blood again. Et il n'y a plus trop de pertes de sang. Levez les mains. Say King of Kings. Dis roi des rois. Lord of Lords. Seigneur des seigneurs. Let your light shine in my nation. Que ta lumière brille dans ma nation. Open your mouth and pray that prayer. Ouvre ta bouche et prie cette prière. Rise up, everybody! Rise up! It's time for prayer. C'est temps la prière que tout le monde se lève. We will call on light today. On va faire appel à la lumière aujourd'hui. And light will begin to spark. Et la lumière va commencer à scintiller. Light is Jesus Christ. Jésus est la lumière. He will begin to locate. Il va commencer à localiser. All over the nation of Cameroon. Partout la nation du Cameroun. All the altars of darkness. Les hôtels des ténèbres. And begin to destroy them. Et commencer à les détruire. Oh, say thank you, Lord Jesus. Dites merci, Seigneur Jésus. First of all, you repeat this prayer after me. Say, Lord Jesus. Répétez cette prière. I know. I am a sinner. I have sinned against you, Lord Jesus. Come into my life, Lord. Wash me, Lord, with your precious blood. I repent today, Lord Jesus, to sin no more. Lord Jesus, I believe that you are the only Son of God. You came to this earth. You died on the cross of Calvary. You were buried. You resurrected from the dead, and you are alive today. Lord Jesus Christ, I declare from my spirit, from my soul, and from my heart that you are my personal Lord and Savior, that you are my God. Lord Jesus Christ, come into my life, be in my life, as from this moment, until the end time comes, until you come again, Lord Jesus. In your mighty name, Lord Jesus, I pray. Amen. You are all welcome to the kingdom of our Lord Jesus Christ in Jesus' name. Friends, en français, répétons tous la prière de repentance. Dites après moi, dites Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai péché contre toi. Je viens à toi tel que je suis. Seigneur, pardonne mes péchés et lave-moi avec ton sang précieux. Donne-moi la grâce, Seigneur, de ne plus pécher. Je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, que tu es le Fils unique de Dieu. Tu es venu sur cette terre, mourir à la croix du calvaire pour mes péchés, où tu as été enterré et tu es ressuscité au troisième jour. Tu es assis à la droite du Père, où tu vis éternellement. Je t'ouvre la porte de mon cœur et te reçois dans ma vie en ce jour précis comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Prends le total contrôle de ma vie. Prends contrôle de mon âme, de mon esprit et de mon cœur. Je promets, Seigneur, de te servir toi seul jusqu'à la fin des temps et jusqu'à ton retour. En ton nom, j'ai prié. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le règne des cieux. Acclamez pour Jésus-Christ. Dis merci, Seigneur Jésus. Say thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Lift up your hand. Soulevez vos mains.
Jehovah Jireh. Oh Lord, you're so good. Your will must be done. Oh Lord, you're so good. You have no challenger. Oh Lord, you're so good. Your will must be done. Oh Lord, you're so good. Hey. You have no challenger. Oh Lord. Take away the camera. Take away the camera.
entire regions of Cameroon. Light shine there. Light shine there. Light shine there. Light shine there. Shine. In the north, let there be light. Au nord, il y a la lumière. In littoral, let there be light. Au littoral, il y a la lumière. In the central region, let there be light. Dans la province du centre, il y a la lumière. In the eastern region, let there be light. Il y a la lumière. In the western region, let there be light. In the southwest region, let there be light. In the northwest region, let there be light. In the north region, let there be light. In the far north region, let there be light. In the Kamawa region, let there be light. Every altar of Satan in Cameroon called fire. Because you buy fire. Are you so bitter in your spirit? If you are made out of me. Bitter, I want to see you pray like a bitter man. Every altar of Satan in Cameroon. Fire because you buy fire. Lord, as Elijah prayed, and fire descended, et le Père de Samuel, Père, you have chosen me to pray for Cameroon. Tu m'as choisi pour prier pour le Cameroun. Lord, let your fire descend with thunder. In the valleys, dans les vallées, in the water, dans les eaux, in the houses, dans les maisons, in the offices, dans les bureaux, on t'a demandé, in the valleys, dans les vallées, on va camarader, in the north, in the north, fire, 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 fire. We order Satan to go away from our nation. Satan killing and stealing our nation. Cette marmite est ici au Cameroun. They did not travel with the pot. Ils n'ont pas voyagé avec la marmite. The pot is here in Cameroon. La marmite est ici au Cameroun. We are looking for that pot. Où c'est cette marmite? Our problem is the thing disturbing Cameroon. Notre problème sont les choses qui perturbent le Cameroun. Ah. If somebody si quelqu'un is really living because of that pot, vit à cause de cette marmite, there is a second choice for you to live and go to God. Alors il y a une deuxième choix pour toi pour que tu quittes à Dieu. But if you know that pot is all and all for you, mais c'est que cette marmite est tout et tout pour toi. As we are broken this pot to
today. Quand nous prions ces mandats de Dieu. And tomorrow. Et demain. Are you ready for prayer? Êtes-vous prêt pour prier? Lift up your hand. Levez vos mains. The Lord showed me that pot. Le Seigneur m'a montré ma mitte. So you demonic pot. Toi, le mamie démoniaque. Holding the life of Cameroonians. Qui tient la vie des Camerounais. And keeping it captive. Et qui les garde en captivité. Sucking the blood of Cameroonians. Qui soit le sang des Camerounais. You that demonic pot. Toi, le mamie démoniaque. You that demonic pot. Toi, c'est mamie démoniaque. You that demonic pot. Toi, mamie démoniaque. We look at you. Nous te localisons. We look at you. Nous te localisons. We broke you. Nous te brisons. We broke you. Nous te brisons. Fire. Fire! 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 Say, Lord Jesus, locate that pot. Localise ma mitte. Whatever was covered must be uncovered. Tout ce qui était couvert doit être découvert. Thou says Jehovah Nissi. Ainsi parle Jehovah Nissi. Thou says Jehovah Jireh. Ainsi parle Jehovah Jireh. Thou says the one that divided the Red Sea into two. Ainsi parle celui qui a divisé la mer en deux. Thou says the one that poured down fire from heaven. Ainsi parle celui qui a percé le ciel. Thou says Jesus Christ. Ainsi parle Jésus Christ. That one that was covered must be uncovered. Ce qui était couvert doit être découvert. Where are you covered? Où es-tu couvert? Where are you covered? Où es-tu couvert? You must be broken. Tu dois être brisé. Your time has expired. Ton temps a expiré. The light has come. La lumière est venue. Light shine and shine in darkness. La lumière brille dans les ténèbres. And darkness comprehends. Where are you hiding? Light shine there. La lumière brille. 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 You pod, you are located. Toi, ma mitte est localisée. Be broken. Sois brisé. You demand it, pod. Toi, ma mitte démoniaque. Holy Cameroon. Qui tient le Cameroun. Fire. 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 Watch the television. Visionnez la télévision. But there is bigger news. Il y a une plus grande nouvelle. Listen to the radio. Écoutez les radios. And then you watch the television. Et visionnez la télévision. Bigger news. Des grandes nouvelles. Bigger news. Des grandes informations. The Lord has sent me. Le Seigneur m'a envoyé. To stop something. Pour stopper quelque chose. And it must be stopped. Et cela doit être stoppé. Cameroon, you must serve Jesus Christ. Cameroon, tu dois servir Jésus Christ. Somebody might be looking at what we are doing like a joke. Quelqu'un pourrait regarder ce qu'on fait comme des blagues. But it's very alarming in the spirit. Mais c'est très alarmant dans l'esprit. So heavy. Tellement pesant. In the spirit. Dans l'esprit. So heavy. Tellement lourd. I see the pot completely empty. Je vois la mamie complètement vide. There is no more blood there. Il n'y a plus de sang dans ce mamie. That pot has been damaged. Cette mamie a été détruite. But let it completely be buried and damaged. Mais que cette mamie soit complètement détruite. Let that pot completely go. Que cette mamie s'en aille complètement. I am not a politician. Je suis pas un politicien. I am a man of God. Je suis un homme de Dieu. I am here to pray so that politicians can work well. Je suis là pour prier afin que les politiciens travaillent bien. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant de Jésus. Say thank you, Lord Jesus. Dis merci, Seigneur Jésus. Clap for Jesus, be seated, my people. On peut pas essayer, people of God, be seated. Peut déjà essayer, oui. But where you are seated, mais là où vous êtes assis, make sure, rassurez-vous, that you are asking God for a deliverance in anything in your life that is held captive. Demandez la délivrance à Dieu dans tout ce qui est captif. I am not the one doing it, though. C'est pas moi qui le fais, oh. It's Jesus Christ. C'est Jésus Christ. Believe in Him. Croyez en lui. And He's present here. Et il est présent ici. No God the same way you came. No God the same way you came. Say thank you, Lord Jesus. Dis merci, Seigneur Jésus. There are some men seated here. Il y a des hommes assis là. You are always experience masquerade following you. Masquerade. Vous avez tous des masques qui vous poursuivent. Masquerade following you. Des masques qui vous poursuivent. In your dream. Dans vos rêves. Come out for your prayer.
Venez ici pour la prière. Stand here, masquerade. You see masquerade following you. Si tu vois les masques qui te poursuivent dans les rêves, viens ici devant. Please, I'll call your case. Don't worry. Don't come out even. If you come out which is not your case, you lose your miracle. Si tu viens et que c'est pas ton cas, tu perdras ton miracle. God has aligned these cases like that. Your case will come, amen. Alors ton cas viendra. You're from where? Tu es d'où? There was something as masquerade dance around where you were. I saw you. Can I have a mic here? I saw you. I saw where you're coming from. There's a masquerade dance around where you're staying. It's true, man of God. And this masquerade dance, you were part of it. Yes. Eh? Yes. After this, it's following you. Yes, man of God. Clap for Jesus. Then you'll be free. The same thing. Eh? The same thing. Bamka. And it has been causing a lot of failure and disappointment in their lives. In Jesus' name. You speak English. Tu parles anglais. I see they put my wine in a cup that is horn of a cow. On a mis le vin de palme. White mimbo. Dans une corne de bœuf. Hein? Yes. White mimbo. Le vin de palme. It is initiated. C'est l'initiation. Okay. Yes. Initiate you. That's why you're seeing that spirit all the time following you. C'est pour ça que tu vois cet esprit tout le temps. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. You're free. Tu es libéré. Thank you, Jesus. The thing not over. The spirit is not only following you. Make you to drink. L'esprit te suit et il te fait boire. Touche pas. Thank you. Merci, Seigneur. Yes, tu es libéré. Jesus Christ. Acclamons pour Jésus Christ. There is another case. Il y a un autre cas.
But I'm seeing there is group of women here. Yeah, group de femmes ici. You have done everything possible. Vous avez fait tout ce qui était possible. To take away a venereal disease somewhere in your life. Pour ôter une maladie vénérienne qui trouble votre vie. But it has not been working. Mais cela n'a pas marché. Your children, they are attacking your children, attacking everything. So you need to be delivered. On attaque vos enfants, on attaque toutes choses. Vous avez besoin d'être libéré. It gives you itches in your private. Cela vous donne des démangeaisons dans vos parties. You see the men come to you in the dream. Vous dormez, vous voyez des hommes venir à vous la nuit. So you need to be delivered. Vous avez besoin de délivrance. Please put them well in the line. Alignez-les, s'il vous plaît. Watch at this, people of God. The second day of this wonderful crusade event at the Omispo Stadium annex here in the nation's capital, Yaoundé. The word of the Lord through the man of God right now. Another category of people are now coming in front of the crusade ground. Watch at this. Sois libéré. 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 Oui. Sois libéré. Au nom de Jésus. La prière continue. La délivrance continue. Continuez à observer. Préparez votre cœur. Préparez votre cœur en attendant votre tour. Ne soyez pas spectateur. Ne soyez pas un spectateur oublieux. Concentrez-vous. C'est votre cas qui vous préoccupe. Ce n'est pas ce que l'autre fait à côté. Préparez votre cœur. Prepare your heart. Prepare your spirit. God is coming. The man of God is going to pray for you to set you free of that bondage, that problem. It is acting against your life. God is setting you free through the man of God, Prophet Fran, here in this field of Omispo Stadium. This is the day of your freedom. You are living here completely free, completely delivered, completely healed of that problem. Prepare your heart, prepare your spirit, prepare, prepare, prepare your soul. You will not leave this place the way you came. We leave this place completely free in Jesus' name. C'est le deuxième cas. Il a dit tout à l'heure que toutes les personnes qui ont des couches de nuit, qui ont des maladies vénériennes qui n'ont pas été traitées jusqu'ici, toutes les femmes qui ont des démangeaisons à leur partie intime, c'est pour cette catégorie de personnes qu'on est en train de prier en ce moment. Ne sortez pas si vous ne faites pas partie de cette catégorie. Après celle-ci, l'homme de Dieu va appeler une autre catégorie selon que le Saint-Esprit. You are there. You are dreaming. You see snakes in your dream. Tu rêves, tu vois des serpents dans ton rêve. Snakes in your dream. Des serpents dans ton rêve. Those are the spirits tormenting your life. Come on, don't worry. Ça, c'est l'esprit qui tourmente ta vie. Sors, ne t'inquiète pas, sors. Tu vas voir la glory. Another category of people are now coming forward from the crowd. Tu vas voir la glory. The man of God has revealed victims that are suffering from attacks. Their dreams, snake spirits, they have been tormented by demonic snake spirits, which causes a lot of limitations in their lives. They cannot prosper, they cannot succeed. To God be the glory, they have come out in front of the crowd, and they are now. D'oppression. Il s'agit des personnes qui, dans leur rêve, voient des serpents. Ces serpents qui constituent des manœuvres du diable pour détruire les enfants de Dieu. Continuez à observer comment est-ce que cet esprit se manifeste. Remember, this is the national program of peace, part 2, platform that Christians have come together to pray for peace in the nation of Cameroon. You can see after this great session of freedom and liberty upon the two categories of people. At the Omispo Stadium, we can see how the servants of God with the man of God together and I'm praying for this same category of people that are under demonic attack. To God be the glory. We can see Satan has no hiding place anymore. To God be the glory.
The authority of Christ Jesus is more than every other power of darkness. We can see how the different kingdoms of darkness that have been holding the lives and the destinies of God's people are now being revealed and being exposed, brought to the light, to God be the glory. This is the manifestation of and the aliveness of the mighty power of Christ Jesus at work through his anointed servants, the man of God, Prophet Frank, that God has anointed to come and liberate the nation.